nom de ce quintet, c'est Inner Hidden Lands. Récemment, je l'appelle plutôt Inner Hidden, parce que c'est vraiment surtout ces deux mots-là que j'aime dans ce projet. C'est effectivement intérieur et caché. Avoir tout à fait l'envie de jouer avec des gens juste pour jouer avec eux. Mais je pense que mon envie sur ce projet, c'est... Souvent, je réponds un peu à des projets faits précédemment. C'est comme une forme d'évolution. Je pose quelque chose, puis j'essaye d'aller avancer un peu ailleurs. Ce qu'on avait déjà aussi un peu dans Codex, c'est une forme d'impression. Quelquefois, juste une odeur, un chant d'oiseau, une situation nous ramène dans une mémoire quasi tactile d'un moment passé. C'est travailler donc cette mémoire qui est souvent cachée, souvent enfouie, toujours là, quelque part. Si on va juste la titiller ou la toucher, elle redevient quasiment palpable. Un détail nous ramène tout un univers. Je pense que dans le geste musical des instrumentistes de ce quintet, il y a ce travail de mémoire. C'est quelque chose qui est très, très fort. Je pense que le projet, il est à peu près à cet endroit-là, pour moi. C'est dans une envie, dans un besoin d'être dans cette intimité-là. Il y a cette idée de souffle, je pense, par rapport à la trompette, de chant, et justement d'avoir un instrument qui soit plutôt totalement acoustique et non traité. Ou quasiment pas traité, puisqu'il utilise un peu une réverb. Et effectivement, c'est plus pour se lier à nos matières sonores. C'est cette idée d'avoir un peu une forme de chant, de voix un peu au-dessus. C'est ce travail qu'on a déjà fait avec Codex, c'est-à-dire avec Bruno, utilisant toute cette pléiade d'effets, moi et Michele. Evin fait finalement le même travail depuis très longtemps et même il a un très très gros représentant de ce travail-là sur la scène internationale. Ce que j'aime beaucoup chez Evin, c'est que la guitare pour tout le monde, c'est un plug string, c'est vraiment des cordes pincées. Et avec Evin, on est souvent dans quelque chose de très proche de, justement de la non-attaque de son, très proche de l'archet. La façon dont il travaille, on a une grande similitude à l'archet. Donc on se retrouve facilement entre Bruno, moi et Evin sur cette notion d'attaque d'arco, en fait, d'une forme de linéarité. Sur ce quintet, ce qui me tient beaucoup à cœur, ce qui est un peu dans le titre, c'est l'intérieur un peu caché, rapport au son d'une intimité. Ce que j'aime beaucoup, moi, pour ça que j'avais choisi notamment le violon, puis c'est un geste que j'aime beaucoup, le violon, c'est d'être dans cette intimité-là, dans ce geste intérieur. On rentre dans une forme quasiment méditative. J'aimerais bien qu'on ait le plus d'occasions possibles de jouer, de partager cet univers avec les gens. Il n'est pas impossible que ça aille vers un disque, qu'on puisse enregistrer un album. Il y a quand même un répertoire, quelque chose qui est un objet qui est réellement là. Je me laisse un peu de temps pour ça. Mais effectivement, je suis déjà dans la recherche de faire grandir cette aventure.
Là, on est ici dans une création, dans 3 jours où on réunit les énergies. Comme j'aime souvent avoir une forme écrite, un objet qui est là, mais qui demande qu'à grandir, à changer, à évoluer. C'est ce que je souhaite pour ce projet, c'est d'avoir le plus de concerts possible en face de lui.